Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un projet que nous avons sur le mur dans la classe. Illusion d'optique. Une personne qui se regarde dans un profil face et de profil. Alors, nous aurions au préalable trouvé nos images sur l'Internet. Un profil. Idéalement de la même personne, de face et de côté. Sinon, c'est possible de le faire. Alors, allons-y. On déborde le calque, toujours. On prend ceci, je veux prendre soit la baguette magique ou l'outil sélection rapide. J'adore la sélection rapide, moi. C'est assez rapide. Et voilà, vous voyez. Maintenant, ce que je veux que ce soit la personne que je garde. Je dois, en ce moment, faire un double calque. Hein? Ça marche pas, mon affaire. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait commande shift I. Je veux garder ceci. Maintenant, si je fais cela, j'ai ici un double calque avec la figure seulement, mais si on vient ici, vous voyez, il a enlevé juste ce que je voulais. J'ai juste la personne. Maintenant, je reviens ici. Je prends celle-ci. Je la ramène sur l'autre. On complète. Et je fais un simple écrêtage. Droite, écrêtage, paf, on voit la personne. C'est ici que c'est un petit peu touché. Commande T, Shift, Alt. On veut l'agrandir, cette photo. Excusez. Cette photo pour qu'elle puisse. Ici, fitter dans ce profil-là. Alors, je tire. Voilà. On voit l'illusion. C'est beau. On aime ça. On peut peut-être tourner un petit peu avec le curseur à l'extérieur pour ajuster le nez. Est-ce que vous pensez que c'est correct comme ça? Plus d'élèves? Ouais, plus d'élèves. Voilà. On voit ici le gap de la lèvre. Command S. Appliqué. On envoie ça. Illusion. Tic. Dans bureau. Ici. Là. Maintenant, pour avoir plus d'impact, je reviens en bas. Je dis Command D. Command D va me ramener mon nuancier ici au noir. Je prends la chaudière et je clique. Command S, V. Et voilà, le projet est fini. Il reste une coupe de petits ici à ajuster. Là. Mais sinon, on a l'illusion. On peut retravailler ça encore un peu mieux. Mais moi, je le fais vite pour vous. Et voilà, le projet est fini. 5 minutes.